dire ce qu'il ressent. C'est un truc de géant. Et tout ce qu'il veut, c'est sortir. Le morceau doit être derrière lui. Fais-moi confiance. D'accord. Commençons par l'entrave qui n'est pas près de ses dents. Ouais. C'est la meilleure idée, mais bon. C'est fermé. Oh le salaud. Il y en avait une troisième sous sa patte. Ah. Oh là 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 là. Attention. Merci Kevin. Bonne journée à toi et courage pour le taf. Une impasse? Pitié, dis-moi que c'est dans l'eau quelque part. C'est... Tiens, il n'y a plus aucune réaction. C'est bien la première fois. Je t'ai fait confiance. Et on a libéré cette chose. Grand-père va me tuer. Il faut qu'on file d'ici, dépêche. C'est bizarre ça. Trude, attends. On l'a peut-être raté. Il est peut-être quelque part Trude, là-bas. Trude, c'est... ça va aller. Comment tu peux dire ça? J'aurais jamais dû t'écouter. Si j'ai fait une erreur, je la réparerai. Je trouverai le morceau. Donc c'est le loup qui Wow. Tu es vraiment un imbécile fini. Tu sais que cette chose fait des trous entre les royaumes, pas vrai? Enfin, je suppose qu'on pouvait s'y attendre. Venant de deux bâtards. Ne me traite pas de... Je t'appellerai comme je le voudrais, Minus. Laisse-le tranquille. C'était une erreur. Non ! L'erreur était de te laisser croire que tu étais prête. Tu l'as aidé, n'est-ce pas ? De quel côté es-tu au juste, sauterelle ? Viens là, je vais te montrer. Oh. Et qu'est-ce que tu... comptes faire exactement? Oh. Vois-tu, les gens se retiennent avec toi parce qu'ils ont peur de ton père. Mais pas moi. Cette espèce de grosse barrique d'hydromel sur pattes. Bien, bien. Imbécile de père en fille, semble-t-il. Alors soit. Voyons ce que tu vaux. Tu as encore bien des choses à apprendre, petite fille. À commencer par reconnaître les tiens et ceux qui ne te sont rien. Attends que je devienne une Valkyrie. Oh. Oh. Alors, tu crois vraiment que le père de tout permettra que ça arrive? Oh. Allons, tu ne devrais pas laisser cette petite fouine te bercer d'illusions à longueur de temps. Arrête! C'était pas loin. Trude! Il fait ça pour t'énerver. Ah ouais? Eh bien, c'est réussi. Vous autres, les gosses, vous êtes... barbants. Si tu en as terminé avec ta petite crise, nous devons partir.
parce que je brûle d'impatience de vous voir expliquer votre bourde au père de tout. Oh, ça va être fantastique. Hugin! C'est ça du coup qui va permettre à Kratos de rejoindre Asgard, je pense. Oh, il n'est pas là. Allons voir dans son bureau. Oh, je n'aimerais pas être à votre place. Père, lui, me soutiendra. Après que le père de tout l'a renvoyé en boudant la queue entre les jambes, j'en doute. Quant à toi, Loki le Jotnar, ton incompétence me sidère. À tel point que je n'endors plus la nuit. Si tu le dis. Je suis sincère. Tu possèdes une telle palette de défauts que ça serait presque... attendrissant. Si ton inutilité était comestible, nul ne connaîtrait plus jamais la fin. Très bien, tout est de ma faute. Laisse-la en dehors de ça. Je n'ai pas besoin de ton aide, Loki. Désolé. Garde ça pour le père de tout. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Il va se remballer M. Dalchan. Très bien. Il toque. Je peux entrer. J'ai entendu la version de Heimdall. J'aimerais entendre la tienne. Raconte-moi. Ce n'était pas là. Je me suis trompé. Tu sais, tout le monde peut faire des erreurs. Mais relâcher Garm, c'est extrêmement grave. Le chaos se répand déjà au sein des autres royaumes. Ici, on ne craint rien, à Asgard. Mais partout ailleurs... Je crois que je veux rentrer chez moi. Très bien, si c'est ce que tu souhaites. Je t'ai dit que tu n'étais pas un prisonnier ici. Tu as le choix, va, fais le vide. Je sais que tu reviendras. Mais si tu t'en vas, tu dois me rendre le masque. Comprends-moi bien, j'ai une entière confiance en toi, mais pas en ton entourage. Oh, et Ingrid. Ingrid, je dois partir. En même temps, s'il lui reprend tout, tu m'étonnes qu'il va revenir. Loki, quand tu seras prêt à revenir ici pour suivre ton travail, Hugin t'attendra dans ton ancienne maison. Tu t'es trompé. Ça ne change rien au fait que tu es le bienvenu ici. Oh, et tu salueras Mimir pour moi. Ah ouais, dans le cage direct. Je bats du coup. Ok. Je vois. On n'est pas obligé de se battre. Ça ne m'étonnera pas, Atreus. Ah, tes bêtises. I'm a brain. Atreus, le pilier, vite!
charge. On a réussi. C'est terminé. Je regrette qu'on ait dû en arriver là. Il a cherché. C'est ma faute s'il a fui. S'il est mort. Parfois, nous n'avons pas le choix. Je sais. Désolé. Tu entends ? Où est-il ? Attention ! Ça va ? Oui, nous devons. Encore. Wow, j'ai esquivé pourtant. Voilà. C'est bon. On doit le retrouver. Viens. Qu'est-ce que tu as fait ? Bon, il a dû passer par là. Trouvons un autre moyen de monter. Qu'est-ce que tu as fait ? À la maison. Le sort que tu m'as vu jeter quand Fenrir est mort. Sans le savoir, j'ai enfermé son âme dans mon couteau. Les âmes sont puissantes, alors j'ai pensé que Fenrir pourrait... changer sa nature. Oui, j'espère que ça a marché. Ça va aller. Désolé de t'avoir blessé. C'est terminé. Promis. Oh stylé, c'est Fenrir du coup maintenant. Toi aussi tu m'as manqué. Et j'étais pas sûr que ça marcherait. On a réussi. Assis. Comment est-ce possible ? Voilà, c'est mon nouveau loup. C'est la magie des géants. J'ai appris quelques tours. Asgard. Ça n'a rien à voir avec ça. Encore des secrets ? Non. Une promesse. Et quelqu'un compte sur moi pour la tenir. Comme celle que tu as tenue à ma mère. Tu vois ce que j'accomplis quand j'ai ta confiance ? Rentre. C'est comme ça du coup qu'il va l'Asgard. C'est fait. Nous devrions prévenir les autres et planifier la suite. Alors, qui a-t-il ? Je suis rattrapé par mes démons. La colère. La méfiance. Aujourd'hui, par le passé.
mais sans toi, j'ai fait preuve d'imprudence. J'ai été arrogant et j'ai commis des erreurs. J'ignore pourquoi j'ai cru que je pouvais y arriver seul. Tu avais raison. Non. Au cours de notre voyage, tu es devenu un guerrier, digne du nom que tu portes. Sache que c'est moi qui n'étais pas prêt. T'es pas obligé de redevenir l'ancien toi parce que je suis plus là. Faisons-nous une promesse. J'écouterai ta voix dans ma tête en ton absence. Elle me guidera. Et tu en feras de même. Tu es d'accord ? J'ai besoin d'être sûr que tu iras bien sans moi. Atreus. Je suis désolé. Ne sois pas désolé, père. Sois meilleur. Rentrons à la maison. Ça qu'on veut voir. Une complicité père-fils comme ça. Tout ce qui est écrit. Être effacé. Souviens, nous ne devons pas laisser les prophéties dicter nos choix. Alors nous façonnerons notre propre destin. Voilà. J'ai l'impression. Où sont-ils tous passés ? Sois sur tes gardes. Je n'aime pas ça, mon frère. Qu'est-ce que c'est ? Heimdall. Ah non. Kratos ? Atreus ? En voilà des retrouvailles bienvenues. Certes inattendues, mais bienvenues. Tu nous connais ? Impossible. Est-ce bien qui je crois ? Oh, espèce de vieux pourceau. C'est presque bon de te revoir. Et pour une fois sous une forme humaine. Enfin, presque. C'est donc ainsi qu'on t'a sorti la tête du fondement. Voilà qui calmera peut-être tes sales manières de menteur borgne lubrique et ivrogne. Il a toujours été le plus gros porc de nous deux. Je ne te connais pas. Tu ne reconnais donc pas ton œuvre ? Ils disent Vini ! Tu te souviens du jour où nous avons rencontré Freya ? Après que j'ai... Oh. Je suis vraiment, sincèrement désolé. Le sanglier de Freya. Son associé. Ah. Et son ami. Conseiller d'Evan. En effet, lors de mon exil à Midgard, j'ai été piégé sous ma forme de sanglier. Et tu m'as tiré dessus. Sur mon ordre. Non. Ma flèche, ma responsabilité. C'est oublié. Vanheim a grand besoin de notre aide. Même de... celle de Mimir. Suivez-moi. Mais évite de pointer ton arc n'importe où. Ma peau n'est pas aussi épaisse sous cette forme. On peut y aller dès que vous êtes prêts. Où allons-nous ? J'ai une faveur à vous demander. Je
m'expliquerai en chemin. Ok, bah ça va tout en allant. C'est comme si j'ai dit que. Ah, je peux pas y aller pour l'instant. J'ai dit que je faisais les quêtes principales pour l'instant. Ben, j'ai permis de regarder s'il y a des endroits où j'étais bloqué avant et je peux passer. Mais bon, je peux pas. Où est Freya? Elle est venue ici pour aider son frère. Les Eneria ont capturé Freyr et Bigby. Elle a pris la tête du groupe de sauvetage. Comment est-ce arrivé? Une embuscade. Ils sont plus nombreux que lors de votre dernière visite. Pire encore, les loups célestes sont introuvables depuis plusieurs jours. Enfin, je crois. Sans lune pour éclairer le ciel, on perd la notion du temps. Pas de lune. Comme sur leur fresque. Leur fresque? C'est une longue histoire. Tu veux qu'on parte à leur recherche? Je vous en serai reconnaissant. Nous ne sommes pas assez nombreux. Et si quelqu'un peut aider Skoll et Hattie, c'est bien un autre géant. Très bien. Fait. D'après Freya, tu pourrais nous faire passer. Je vois qu'on disait vrai. Ouvrez leur tanière dans cette direction. Ok. Mais d'abord, je regarde. Là, y'a rien. Là, y'a rien. Je peux y aller. Ne tirez pas sur les sangliers. Du coup, là, on va voir Skoliati. Moi, petit. Si le vieux pourceau avait une dent contre toi, tu le saurais. Que s'est-il passé entre vous? Comme toujours, malentendu, conflit de loyauté, promesses brisées, rien qui vaille la peine de t'en inquiéter. Je suis pas inquiet, vraiment curieux. On peut être proche sans tout se dire. D'accord. Oh, qu'est-ce qu'il y a ici? Bonjour. Je crois qu'ils sont là. Alors, heureux? Les loups célestes de la légende. Je te l'avais promis, n'est-ce pas? Passionnant. Tu te souviens de leur fresque? Ils n'ont rejoint le ciel qu'après le retour de la lune. Puis ils ont chassé une flèche à travers les cieux. Bon, très bien. Nous ferions mieux d'aller chercher la lune pour la remettre à sa place, non? Tout va bien, rien d'étrange là-dedans. Ok. Faut jeter un gros dodo, quoi. Mon frère, on s'est trompé de chemin. Qu'est-ce que c'est? Une fouivre. C'est une salamandre. Wow. Faites attention. Wow, 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 wow. Attends, je prends une vraie arme pour le coup. Ok, il craint plus le feu, lui. Bah, il m'a attrapé. Ok, donc lui c'est le feu et l'autre c'est de la glace. Encore réussi. Voilà. C'est froid. Est-ce que ça vient d'Elaine? Emdal a dû s'en emparer quand j'ai libéré Garm. J'étais là, mais... je ne savais pas. Et tu te bats aujourd'hui pour réparer les dégâts. Tu n'as pas à te sentir coupable. Oui, mais... ah, mais ça... mais pourquoi il m'a dit que je me suis trompé de chemin? Il me dit n'importe quoi, je me suis pas trompé de chemin, j'ai bon truc. Ils sont plus là. Bingo. Ah si. Là, voir un ennemi, c'est sûr. C'est trop simple. Salut Ben, comment tu vas? Quand faut y aller?
Oh, trop beau les yeux. Oh, ils sont trop beaux. Ça va, nickel, merci. Bah, gentil, pas se faire coucou. Exactement comme dans leur fresque. Non, plus que la flèche. Si je le fais. Tu n'es lié au destin que si tu l'acceptes. Fais-le parce que c'est nécessaire. Pas parce que c'est écrit. De toute façon, tout est déjà écrit. Hein. Ce qui devra se passer se passera. Delta ! C'est bien, petit. Il fait quoi, lui ? Offre un présent, un moyen de les appeler quand on a besoin d'eux. Ok, stylé. Ah, peut-être qu'on l'utilise à l'un de ces hôtels. Ah, Freya saura peut-être. Peut-être pour changer le jour et la nuit, peut-être non? On nous a donné la clé des jours et des nuits. Ma foi, c'est plutôt pas mal. Je crois qu'on devrait rejoindre Ildis Vini et lui raconter tout ça. Oui. Rentrons au camp. Kratos, Atreus. Ainsi, cette éclipse était de votre fait. Merci d'être venu. Bigvir en a profité. Ouais, on est d'accord là-dessus. Et ton frère? Franchement, le 1, il mettait déjà la barre très haut, mais je suis là, fort. Il a mis encore la barre trop haut. Nous partirons dès que vous serez prêts. L'aide d'un autre métamorphe est bienvenue. Va avec lui, Atreus. J'aiderai Freya. Oui, père. On va bien voir. Essaie de faire glisser le sceptre dans la cloche plusieurs fois. Ouais, je pense aussi. La lance, je la surestime trop aussi, je sais. Je kiffe justement la jouer et c'est pas aussi fort que je pense. Bien. C'est le bon moment. Ah, ok, ça le jour, ok. Des passages qui n'étaient pas là. Ok. On est où là? Impeccable. Bon, sur ce, je vais arrêter le live ici. On ira sauver frère à la prochaine fois. Et voilà. Là, je suis content, j'ai bien avancé là. Donc voilà, donc ben, merci à ceux qui ont suivi le live. Merci Ben d'être passé. Et ben voilà, et on se retrouve demain. Allez, ciao.